approchez-vous. Missile anti-aérien, missile solaire. Missile solaire, aidez. Mayday, juste en dessous à gauche. Mayday. Ils font froid sur la queue. Aidez, aidez. Retour arrière poussé. On perd un contrôle. Impossible de redresser l'appareil, je vais t'écraser. Ne bougez pas, restez ici, restez ici. غاديش ديروا الوقت في الاشتباك شحال من القذيفه بقات هادي دوز وبعد كل محمد هي يقذف واحد عليه حشيش هادي اخذف الله اكبر ماشي ما فيش مشكل Qu'est-ce qu'on fait Je le laisse s'approcher Tu me dis, OK
Je m'appelle Rachid. Je sais qui vous êtes. Je ne veux pas faire d'autres victimes. Si vous rendez les armes, je jure au nom d'Allah, je jure en son nom, que votre vie sera épargnée. Si vous baissez les vôtres, alors on fera pareil. Nous savons tous les deux que d'ici une demi-heure, le ciel sera envahi par tous vos hélicoptères. Et moi, je veux des otages vivants. Mais si vous n'acceptez pas mon offre, je serai obligé de vous abattre. Monsi, qu'est-ce qui vous a pris ? Je peux plus rester les bras croisés. D'accord, je comprends, mais venir ici n'est pas la solution. Vous en avez une meilleure ? On va voir ça ensemble. Je compatis vraiment pour vos enfants, mais je vous en prie, ne rendez pas les choses plus compliquées. Je veux seulement retrouver mes enfants. Vous ignorez tout de ce pays, vous ne savez pas comment il fonctionne. Il vaut mieux rentrer à l'ambassade. Votre mari est mort d'inquiétude depuis ce matin. Vous ne lui avez rien dit ? Non. Il ne sait rien, et mon mari non plus. Ça restera entre nous, je vous le promets. Monse est rentré avec moi à l'ambassade. On pourra au moins appeler Madrid, mais ça ne sert à rien, ils ne savent rien là-bas. Et bien, on insistera pour qu'ils nous disent clairement où ils en sont. Monse, il faut me croire. Je suis là pour vous aider. Fiez-vous à moi. Une femme m'a donné une adresse en ville. On ne sait jamais, mais ça pourrait être une piste. D'accord, on vérifiera ça à l'ambassade. Nos hommes sont formés pour ça. Mais je vous en conjure, rentrez avec moi. Servez-vous. T'en veux une en particulier ou... Tu veux que je la frappe ? Ah oui, vas-y. Ah, t'as vraiment pas la classe, hein ? Allez, viens par ici, toi. Allez. Voilà. Bloque là. Ça y est, c'est bon. On vous prend celle-là. 50 euros. J'espère que vous avez ce qu'il faut. Vous déconnez là ou quoi? C'est une blague ou quoi? Dis-lui que c'est une jeune femelle. C'est plus cher, c'est normal. S'il la vend, il perd une portée de chevreau. Bah, vous pouvez toujours en choisir une autre. Ah non, c'est bon. Bah, attends, tu déconnes? Putain, 50 balles. Alors, Dessy, t'as de la monnaie? Tu vois bien que je tiens la chaîne. Et toi? J'ai jamais d'argent sur moi. Et notre ami, il peut peut-être me rendre la monnaie, lui, non? Non mais attends, tu t'imagines quoi? Bah quoi? On n'est pas là pour faire affaire. Parce que tu crois qu'il voit des billets d'euros tous les jours, ce monsieur? Bon, j'ai 3 billets de 20 et j'ai pas du tout envie de payer 60 sacs pour une biquette. T'as qu'à en prendre une moins chère. Ah non, je m'y recolle pas. Chino, donne-lui tes billets. Je vais sûrement pas filer 60 au lieu de 50. Et on s'en fout, tu fais chier, là. Putain. Super. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, c'était pas compliqué. Bah, tu parles. Désolée. Monse, qu'est-ce que...
confirmé qu'il y a des survivants? Négatif. Mais on va passer la zone au pays de fin. L'assistance est en route. Bien sûr. Inutile d'envoyer un autre hélicoptère pour rien. On a des morts à récupérer. J'ordonnerai au régiment d'infanterie légère de s'en charger. Ils sont à plus de 4 heures de marche, mon colonel. Et alors, ça m'est égal. Je ne veux plus de pertes. On a perdu 14 de nos hommes parce qu'on s'est précipité. Comment ça, on s'est précipité? C'est vous qui avez insisté pour envoyer ce putain d'hélicoptère. On n'avait pas d'autre alternative. Sur un autre ton, Torres. Ne me reprochez pas. Je ne vous reproche rien, ce sont les faits. Mon colonel. Oui, monsieur le ministre. À vos ordres. Il veut une visioconférence. Quand ? Maintenant. Lieutenant ? Ces barres chocolatées viennent de chez nous. Ils ont dû dormir ici. Ouais, mais la question c'est, est-ce qu'ils étaient à bord de l'hélico ou pas? Vu la situation, on n'est pas assez pour en être sûr. Furé pour l'Indien. L'Indien? Il y a des empreintes de route 4x4. Tu saurais me dire combien ils étaient? Je dirais 3. Bien sûr. Mettez-le. Mettez-le. Israël, connaissent pas, mais t'inquiète pas, tout va aller. Mettez-le. Tout va bien se passer. T'en fais pas, tout va bien se passer. Couvrez-vous la tête. S'il vous plaît. Elon. Thank you.
Je vous remercie. On va vous apporter de quoi manger tout à l'heure. Vous aurez besoin de force pour le voyage. Quel voyage? Au Niger. Kaffa. C'est parce que vous aviez juré devant Dieu. J'ai juré que votre vie serait épargnée. Et j'ai tenu ma promesse. Tout ce qui se passe à partir de maintenant est indépendant de ma volonté. Seul Allah, que loué soit son nom, décidera. Alexandra, pleure pas, on va pas aller au Niger, d'accord ? T'en fais pas. Tu peux me faire confiance, d'accord ? Bon, pour faire amende honorable et pour réparer la perte subie à cause de notre petite méprise, nous vous offrons cette chèvre en signe de respect et d'entente cordiale. Si cette chèvre vous convient pas, n'hésitez pas à nous le dire. On veut plus créer de problèmes dans votre village. Bien, ici. C'est quoi ça? Il faut terminer ce que vous êtes venu faire. C'est la coutume, vous pouvez pas refuser. Je comprends pas, j'en fais quoi de ce truc? Vous devez tuer la chèvre vous-même, c'est la tradition. C'est comme ça qu'ils règlent les différends. L'offenseur sacrifie la chèvre de ses propres mains. Vous croyez que mon travail se résume à donner des conférences de presse? Non, monsieur le ministre, mais... Parce que c'est ce que je viens de faire. Et quand je pense avoir réussi à faire passer le fait que deux militaires espagnols sont morts au Mali... On m'apprend qu'il n'était pas deux, mais 14. Et pas dans une attaque au sol, non, dans un hélicoptère qui a été abattu. Je vais donc vous poser une question. Pardonnez-moi, mais je dois vous la poser. Qu'est-ce que vous foutez tous exactement au Mali? Notre plan stratégique a été transmis au commandement supérieur. Et parlez-moi vos termes techniques, je vous prie, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous foutez tous exactement au Mali? Monsieur le ministre, d'après les informations recueillies, il apparaît que les djihadistes aient été en possession de matériel anti-aérien, chose que nous ignorions totalement. Attendez, qu'est-ce que vous entendez par « nous l'ignorions totalement » ? On ignorait leur puissance de feu. Dans l'attaque des Vantak, c'était une arme de jet, oui ou non ? Oui, mais d'un type différent. C'était un armement anti-char de type RPG-7 qui requiert une certaine adresse, bien plus sophistiquée que ne le serait un missile guidé. Nous avons un groupe des opérations spéciales détaché sur place en ce moment même. Bon, écoutez-moi bien. Il faut suspendre immédiatement toutes les opérations militaires. Si vous permettez, monsieur le ministre... Non, je ne vous permets pas. J'ai parlé au chef du gouvernement. Nous ne prenons plus aucun risque tant que la lumière n'aura pas été faite sur cette catastrophe. Je veux que tous les hommes rentrent à la base. Mais ça revient à laisser l'avantage aux terroristes. Ceci est un ordre. Je vais me souvenir de cette putain de chef toute ma vie. J'y pense déjà plus, moi. Passe à autre chose. Ah ça, ça va être difficile, parce qu'on doit retourner là-bas tout à l'heure. Et pourquoi? On y retourne faire quoi? Votre chef vous a pas mis au courant? Au courant de quoi? La chèvre? C'était juste une entrée en matière. Les villageois ont transmis la liste de tout ce dont ils ont besoin. Et que vous devez faire pour eux. C'était bien l'accord initial, non? Non, attends, on nous a jamais parlé d'un accord à nous, hein. C'est ce qui a été promis par votre colonel. Moi, je remets pas les pieds dans ce trou. Moi non plus. À votre place, je parierais pas là-dessus. Regarde, il y a le sergent là. Stop, arrête-toi ici. Sergent-chef. À vos ordres, sergent-chef. Excusez-moi, mais ça veut dire quoi, cette histoire d'arrangement avec le village? On nous a jamais dit qu'il y avait un accord. Le berger a récupéré une chèvre. On a fait notre devoir, sergent-chef. Et en prime, ça nous a privé de la seule mission importante en 4 mois. De quoi vous me parlez, là, tous les deux? Du village Peul. Celui des bergers. On y a passé toute la matinée. Quoi? Personne ne vous a prévenu? Prévenu de quoi? L'hélico a été abattu au cours de la mission. Tous quoi, vos compagnons sont morts sur le coup. Non, c'est pas vrai. On devait monter à bord de cet hélicoptère.
Mais vous n'y étiez pas. Vous pouvez leur dire merci aux bergers. Vous vous êtes arrangé avec eux? Non, non, sergent-chef, j'ai pas envie. Tout ce que je veux pour le moment, c'est... Tu n'es pas ici pour faire ce que tu veux. Tu es ici pour obéir et faire ce qu'on te demande, c'est clair. Maintenant, si vous voulez vraiment aider vos camarades à aller terminer votre boulot auprès des Maliens, pour qu'ils comprennent que le problème du pays, c'est pas nous, les Espagnols. De la mosquée. Il y a une femme là-bas qui m'a dit que je pourrais trouver un certain Mustapha ici. Quelle femme? Une femme. C'était une femme noire. Et elle connaît bien l'imam. Est-ce que Mustapha est ici? Mustapha? Il est parti à Mopti. Il va revenir dans 10 jours. Ah, c'est la photo de mes enfants. Là, vous voyez? Ses enfants. Mes enfants, ils ont été enlevés par des terroristes. Ça fait 5 jours. 5 jours. J'ai de l'argent, si vous voulez. Non. Madame, ils ont été kidnappés où? Vos enfants? Sur la route de l'aéroport, près de Tombouctou. Moi, je connais Mustapha. Moi et mon ami, on va t'aider. Vous connaissez Mustapha? Oui. Ah, allons-y. Non, assois-toi. Je l'appelle tout de suite pour vous. Je ne peux pas vous laisser continuer. Il y a des traces de roues et on peut les suivre. On a juste besoin d'être ravitaillé en carburant par appui aérien. Écoutez-moi, l'opération a été annulée. Quoi ? Soria 9 se chargera de rassembler les restes de l'hélicoptère pour les rapporter ensuite à la base. Transmettez à vos hommes. On pourrait être ravitaillé par Soria 9 ? Je leur dirai que vous avez besoin de carburant, mais il faudra rentrer à la base avec leur régiment. C'est trop tôt pour rentrer. Si on part, on perd leurs traces. Écoutez-moi bien, Delta. Mon commandant. Les ordres de Madrid sont très clairs. Mais si le terrain vous permet d'obtenir encore plus d'informations... C'est-à-dire? À vous de décider. On peut attendre Soria 9 pour refaire le plein? À vous de voir. Mais si vous les attendez, vous devrez rentrer avec eux. Je vous reçois plus très bien, Hannibal. Moi, je vous reçois très bien. Si vous voulez poursuivre, alors je ne vous donnerai pas le feu vert. Je commence à perdre le signal avec Bravo Zulu. Moi aussi. Je perds le signal. Coupez, coupez. Quelle marge on a en carburant? Je dirais 80 bornes. Messieurs, les ordres de Madrid sont très clairs. Ils nous demandent de rentrer à la base. Mais le commandant me laisse libre de décider. Si on suit les traces et qu'on tombe en rade, on n'est pas dans la merde. Moi, je dis banco. Il en va de la vie de notre capitaine. Alors banco pour moi aussi. Wifi. Vous savez ce que j'en pense, mon lieutenant. Pour moi aussi, banco. Pareil pour moi. À mon avis, ils n'ont pas eu le temps d'aller bien loin d'ici. On va les avoir, ces fils de pute. En route! En route! On doit pouvoir faire quelque chose, non? Faire quelque chose, quoi? Les renseignements sont sur le coup avec la police du Mali. Maintenant, il ne manquerait plus qu'ils enlèvent aussi votre femme pour finir par tout compliquer. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller toute seule à Tombouctou. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que j'appelle le président du Mali pour qu'il mette des barrages sur toutes les routes? C'est ça que vous voulez? Il
Iñaki, n'en veuillez pas à Monsi, elle se sentait obligée de faire quelque chose. Comment je pourrais lui en vouloir? C'est à cause de moi si c'est arrivé. On pouvait aller n'importe où, à Tunis, au Maroc, c'est moi qui les ai fait venir. Tout ce que ma femme et mes enfants ont fait, c'est me suivre. C'est ici? Oui, ici. Une voiture bleue va venir vous chercher. Elle va vous emmener à Mopti, là où il y a vos enfants. Bref, ça va. Je veux mon argent. Maintenant. Je vous paierai quand j'aurai mes enfants. Vous avez dit que je serais payé si je vous emmenais voir les djihadistes. Mais ils sont pas là. C'est pas ce qu'on avait conclu. Mon argent. Je veux mon argent, maintenant. C'est compris? Fric. Le fric. Moi, le fric, c'est compris. Mon fric. Yalla. Nous avons besoin de réparer l'antenne. La dernière tempête de sable l'a fait tomber. Je vais voir, ils peuvent peut-être s'en occuper. Vous sauriez réparer leur antenne abîmée par la tempête? Pour regarder quoi? La chaîne du djihad? Nous avons besoin de l'antenne pour la communication avec les autres villages. On n'a pas de médecin, ni rien. Ça va. Ils n'ont pas la télévision. Cette antenne est leur unique moyen de garder le contact avec les alentours, vous savez? En cas d'urgence médicale, c'est leur seul moyen d'accord, de communication. D'accord. Ça va, j'ai compris. Désolé. On va faire tout notre possible pour leur réparer ça. On est désolé si on est un peu énervé, mais on vient d'apprendre que 14 de nos camarades ont été tués aujourd'hui. Vous voyez, c'est facile pour personne ici. Les djihadistes font beaucoup de mal à la population du Mali, mais aussi aux soldats des autres pays. Je regrette beaucoup. Mes condoléances. Comme ça, tout est OK. Combien dans le réservoir? Environ 50 km. Est-ce que c'est déjà arrivé? Déjà arrivé quoi? Qu'un groupe des opérations spéciales se retrouve en rade à cause d'une panne de carburant. Ça arrive même aux meilleurs. Y compris aux champions de course. Alors pourquoi pas à nous? قام جايين زوج مدرعات شان ديون هربوا؟ ما عندناش الوقت استكلف بهم يلا اجري l'Indien ici solitaire l'Indien
Village en vue, droit devant. Comment ça, un village, t'es sûr? Il figure pas sur la carte. Je confirme, village en vue, distance estimée 3 ou 4 km. Bien sûr. L'Indien pour Furet. Ici Furet. Village en vue. Que tout le monde reste sur ses gardes, on va sûrement avoir un comité d'accueil. Animal, va dans la tourelle. À vos ordres, mon lieutenant. Vous êtes bien là? On a dû reporter notre petit voyage. Il semble qu'on ait des visiteurs. Bonjour. Bonjour, vous parlez notre langue ? Assalamu alaikum. Nous sommes des soldats espagnols. Narknuger Espagnoli. Madame. Min Fadlek. Hey, vous là ? Vous comprenez ? Madame. Madame, je vous parle. Je vais t'attaquer la main. Tu me touches pas. Oh, du calme, les gars. Tu peux me dire ce que tu fous, bordel. Cette femme nous cache quelque chose. Tu peux pas lui parler sans la permission de son mari. Et c'est qui son mari, hein? Tu demandes. On n'a pas le temps, là. C'est pas toi qui décides, c'est moi. C'est sur la première page du manuel. Va te faire voir, c'est. Fermez-la. Quelqu'un parle notre langue? Ils te diront rien, Martin. Il y avait des traces de voiture, de 4x4, et elle s'arrête ici. Mes hommes et moi, on va jeter un petit coup d'œil chez vous, dans toutes les maisons. Vous comprenez? Vous êtes d'accord? Je regrette, mais on n'a pas le choix. Furet, ouais. Répartis les hommes pour inspection. Commence par la maison de la femme. Solitaire! Sorcier, à la maison de cette dame! Wifi, avec moi! Allez, on le prend. Du calme, s'il vous plaît. Maintenant, on arrête tous de crier, merde! Ras-le-bol de cette journée de merde! Une journée de merde, on comprend ça? Sorcier. Thank you.
elle ouvre pas. Ouvrez la caisse. Ouvrez la caisse. Ouvrez. Ali. Caresse. Rungadin. Yalla, yalla. أظن أنهم سيرجعون. غادي نقول لعمر يطلع الرهائن في الشاحنة. Tout le monde, pour le premier. À genoux.
Allez, allez! Y'a là! Sûrement une radio dans une des voitures. Je vais demander de l'aide, ok? Demander de l'aide à qui? N'importe qui. Donne-le-moi. De nous deux, je suis la meilleure. Je le prends et toi, tu t'occupes des enfants. Ils sont en sécurité là-dedans. Donc je viens avec toi. Ça marche. Et là, ça marche? Non. Chier. Peut-être que le matériel a été trop abîmé là-haut. Si c'est ça, va falloir tout démonter et on n'aura pas l'air con. Moi, je vous le dis. Écoute. Putain, ça marche, non? Chino! Quoi? C'est bon, tu peux descendre. C'est quoi ça? Attends, stop! Tu crois que tu pourrais revenir en arrière? Juste avant. Mayday! Juste là! Mayday! Ici le caporal Santana! On a besoin d'aide d'urgence! Faites revenir les 24! Ici Desideria Sanchez, 10e régiment de la Légion, terminé! Ici Gep! Faites revenir les 20. Faites revenir les 20. Caporal Santana!
On a besoin d'aide en urgence. Sors de là. Viens. Retournez au point d'extraction. Je vous envoie le ravitaillement en carburant pour rentrer à la base. L'Indien, bien sûr. Mon colonel, j'ai un appel prioritaire de l'extérieur pour vous. Bamako ? Oui, le caporal Sanchez. Dites-lui que j'ai pas le temps. Oui, mais elle dit que le soldat Santana est au milieu de tir. Santana ? Dans le village que les Vamtak viennent de quitter. L'appel est non sécurisé. Hannibal pour Delta 1. Demi-tour vers le village. Je répète, demi-tour vers le village. Qu'il renvoie le signal pour confirmer. Appelez-moi Madrid. Tiens bon, Isabelle. Tiens bon. Ça fait très mal. Ça fait... Comprime avec ça. Je vais mourir. Arrête tes conneries. Tiens bon, Isabelle. Tiens ici, solitaire, prêt à tirer. Nadia, bien sûr. Animal. Animal prêt. Furet. En position. يخربون بيوتنا ويهجروننا ويمصوا دمنا ويقولون أن نحن الإرهابيون وهذا ما يعملونه المؤمنون الحقيقيون للذين يوسخون التراب مالي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Vas-y, tire. Oh, on est dans le village. Allez,
Tout va bien. On va vous sortir de là. Chef, dites-moi tout. J'ai besoin d'un garrot. Et pour elle, il faut... Que votre jambe ? Ouais. Oui, si ! Demande un appui aérien et donne notre position. Capitaine, les enfants, derrière, ils sont dans la cave de la deuxième maison. On a récupéré Chef et Gep. On a besoin d'un hélicoptère, maintenant. On vous ramène à la maison. Ça va aller, Santana. Santana, tu m'entends ? Hey, tu m'entends ? Demain, tu vas te réveiller dans ton lit, ok ? Appuyez bien fort. Milou, putain d'hélico, bordel ! Wifi ! Bravo Zulu, bravo Zulu, ici Delta. Je peux pas mourir. Hey, Sarah, tu vas aller voir Ned, tes jumeaux. Hein, on va se tirer d'ici. Tu vas pas mourir. Oui, fille ! Putain, ils sont... Sarah ! Capitaine ! D'adrénaline. On charge à 200. C'est quoi ?
Je pensais que Serra allait tirer. Hein? Le gamin. Quand je l'ai vu débouler de la maison, j'étais comme tétanisé. J'aurais pas dû réfléchir, j'aurais dû lui tirer une balle en plein cœur. Arrête de ruminer tout ça, Johnny. Je peux pas, putain. J'aurais fait pareil que toi, mon pote. Tu t'attendais pas à avoir un gosse? Putain, je l'ai abattu, ce gosse. Johnny, t'as rien à te reprocher. Je pourrais jamais me le pardonner si Serra y passe. On a fait notre boulot. Ouais? C'est une putain de guerre. Ils disent aux gens que c'est une opération pour maintenir la paix. Pour aider ce pays à construire des écoles. Apporter une aide humanitaire, du matériel médical. Mais pour finir, c'est pas mieux qu'en Afghanistan, qu'au Liban, ou qu'en Bosnie. C'est des conneries tout ça. La réalité, c'est qu'on met notre vie en jeu. Et des fois, on se fait tuer. Voilà ce qu'on fait. Le capitaine Sanchez et le caporal Santana sont dans un état stable. Le capitaine a une fracture du fémur à cause de l'impact, mais ses jours ne sont pas en danger. Isabelle, c'est plus grave. Elle a perdu beaucoup de sang et le rein droit est endommagé, mais je reste confiant pour la suite. Et Serra. Et Serra. Serra va bien. Lieutenant, je sais pas si vous vous souvenez de moi. Évidemment que si, Dessie. Vos hommes, comment ils vont? J'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Les gars de l'hélicoptère. Et ils faisaient partie de mon groupe. Désolé. C'est vrai.
la vie peut basculer à ce point-là. Il y a 3 jours, on était tous là à manger une chèvre. Et là, maintenant... Un pote, un jour, m'a dit que le plus dur, pour lui, que le pire, c'était de rentrer de mission et de découvrir que la vie suivait son cours normal. Tous tes copains vont au ciné, ils sortent boire un verre ou dîner. Ta mère, elle te parle de son programme télé du jour. Comme si de rien n'était. Et c'est là que tu te rends compte que ce qui a changé, ben c'est toi. Et ça te plaît pas ? Si. Mais c'est trop... trop rapide, c'est vraiment pas juste. Non, pas maintenant. Chinaro, Lopez. Félicitations. À vos ordres, mon général. Desideria Sanchez Rodriguez. Votre contribution à cette mission a été capitale. Félicitations. À vos ordres et merci, général. Ça va aller. Son passage sur Terre a été marqué par son envie de faire le bien. Notre Seigneur a décidé de le rappeler à lui et de mettre un terme à sa vie sur terre, ainsi qu'à ses souffrances. Pour cela, Seigneur, donne-lui le repos éternel. Que son âme repose en paix dans la miséricorde de notre Seigneur. Tu m'as apporté des fleurs ? Ouais, bon. Ça va, Isabelle. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Non. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de te parler, de te dire certaines choses. De dire quoi ? Que ça a été un honneur de partir en mission avec toi. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Mais ? Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est juste que...
J'ai demandé mon transfert dans le groupe de montagne. Le régiment des chasseurs. J'y serai dans un ou deux, je suppose. Ma demande a été acceptée. Je savais pas. Ce sera mieux pour tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. T'étais bien là pour mettre les choses au clair. Non. J'étais là pour t'offrir des fleurs et voir comment t'allais. Je vais bien, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Et tu m'as donné les fleurs. Et je t'ai donné des fleurs, c'est vrai.